Nous avons décidé de créer ce concours parce que nous nous sommes aperçus que les jeunes étaient très souvent victimes des accidents de la route. Et donc nous nous sommes dit que créer des vidéos, c'était une façon pour eux de communiquer entre eux. Comme une évidence d'être la marraine de ce premier concours Grand Angle parce que j'ai trouvé en fait l'initiative vraiment fantastique parce qu'elle alliait à la fois un aspect créatif, artistique, à un message hyper important et encore trop nécessaire à faire passer. Moi, j'ai trouvé le choix des trois thèmes proposés aux internautes extrêmement intelligents et puis rappeler une vigilance permanente puisque même sur les passages piétons, même si on ne commet pas d'erreur, même si on se sent protégé, on n'est jamais à l'abri. Le concours est vraiment intéressant pour les chasseurs scientifiques parce qu'on n'a pas l'occasion souvent de pouvoir vulgariser ou de montrer tous nos résultats de façon aussi concrète que par le biais de vidéos, comme dans ce concours Grand Angle. Donc c'est une vraie opportunité pour nous de pouvoir montrer tous ces résultats. Ce qui m'a motivé à participer au concours, c'était d'avoir un regard assez neuf fait par des jeunes. Je pense que tout le sujet traité, l'alcool sur la route, ça nous touche directement, c'est ce qu'on vit en fait. Donc on a décidé de passer derrière la caméra pour illustrer un peu ce qu'on vit nous. L'intérêt, avant tout, c'est de faire en sorte que les gens à qui s'adresse ce message d'habitude, là, se mettent en situation de comment faire pour le transmettre. Et ça, c'est, à mon avis, super intéressant, parce que quand on se met dans la peau de celui qui doit faire passer le message, on se pose d'autres questions. De sensibiliser les gens sur les passages piétons en particulier. Enfin, moi, c'est ce thème-là que j'ai choisi. Au début, on est parti un peu de rien. On avait juste notre comédien, Arto, parce qu'on voulait vraiment le faire jouer. Et l'histoire s'est construite un peu autour de lui, et autour des super-héros. Pourquoi le format est aussi court pour en fait pouvoir avoir gardé l'effet percutant de la vidéo et du coup, rester dans un format publicité, quoi, très simple, efficace, avec peu de choses.